Yeah.
Alors, est-ce que ça roule bien? On a une bonne moyenne là pour l'instant. J'avoue qu'on est bon, on est bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette belle piste cyclable? Ah bah c'est très roulant, comme du goudron, c'est très plat, c'est parfait. Alors, comment ça va? Ça roule super bien, on pouvait pas rêver mieux. Après l'effort, le réconfort. Alors, pour information, on est parti à 7h ce matin et on a roulé. On a avancé, on va dire 3 bonnes heures et on a fait à peine 6,5 km. Youhou! Mais là, on va dire, c'est la partie roulante, tout en haut. Enfin, on va pouvoir mettre les chaussures de VTT et enlever ça. Ça, c'est super. 40 rondes pour marcher dans la caillasse. Ce sont des chaussures 4x4, les Crocs. C'est génial. Allez, on va chausser et là, ça va être juste magnifique. Bye-bye.
n'est pas arrivé. Finalement, le ciel bleu est revenu, on a passé le col, mais difficile de se mettre sur le vélo dans ce genre d'endroit. Voilà, on est en train de descendre et là il faut atteindre en bas où on va espérer retrouver un sentier. À gauche et en fait il faut contourner cette montagne parce que là dans la vallée je vois rien donc il n'y a pas de route donc le chantier. Là, il y a eu un ravalement de terrain. Et oui.
Alors, nous sommes dans un endroit insolite ce soir. Nous sommes dans un village. On voit pas grand chose parce que le village n'a pas d'électricité. Donc j'éclaire avec un autre téléphone. Jean-Baptiste, c'est bien toi. Nous sommes dans une hutte d'un village du Lesotho. Des gentils villageois nous ont accueillis. Ça a été un peu compliqué de discuter avec eux parce qu'ils ne parlent pas anglais. On leur a expliqué... Je fais pas peur comme ça. On leur a expliqué que ça faisait 10 heures qu'on faisait du VTT et qu'on avait encore 6 heures de VTT devant nous. Ils n'ont pas compris grand-chose. Donc du coup, on a mimé dormir et manger et monnaie avec les mains, monnaie. Et ils ont réfléchi, ils ont dit ok. Et ils nous ont proposé ce studio tout aménagé, hein, avec les toilettes, la douche, la bière, elle est où la bière? La bière, fait maison, et puis deux lits, voilà. Donc je vais interviewer, par exemple, Capucine. Oui. Alors, que penses-tu de ton expérience dans un village du Lesotho? Ben, au début, en fait, ils étaient très, comment dire, étonnés et très surpris. Ils avaient pas peur de nous, mais ils étaient très méfiants. Et après, ils ont vu qu'on était sympa et que... En fait, c'est la première fois qu'ils reçoivent des personnes. Et ils nous ont bien aimés, on a rigolé ensemble et... Voilà, du coup, je pense qu'ils nous apprécient bien. Léna. Alors, moi, au début, j'étais pas trop confiante parce que... En fait, tout le monde nous regardait bizarrement et tout. On avait l'impression qu'ils se moquaient de nous, je sais pas quoi. Et donc, du coup, je me disais, on sait pas trop si c'est bien. Ou, par exemple, après, ça va, ils nous ont donné à manger. On a eu du riz en mode cassoulet. Enfin, c'était pas... voilà. Avec des épinards très salés. Là, c'était très bon. Et de la viande. Sinon, après, elles nous ont montré les toilettes. Ah oui, c'est vrai. Et c'est en pleine nature. Et celle qui nous a montré les toilettes, elle nous a montré comment faire pipi en même temps et où ça. Donc du coup, elle s'est foutue à poil et elle a fait pipi, quoi, tu vois. Donc on a fait de même. Et t'as fait pipi en face des belles collines, voilà. De Lesotho. Voilà. Avec une autre personne. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et maintenant, on va passer au phaseur, puisque c'est comme ça qu'ils ont compris... Qui était ce personnage? Eh ben, effectivement, on a l'étape du jour. C'est mon Kang Mansoniane. S'avère être un peu trop longue. D'autant plus qu'on a pris un itinéraire plus roulant, mais plus long que celui initialement prévu. Et comme la journée commençait à s'étirer et que l'orage n'était pas très loin. Et les éclairs aussi. Voilà, on a pris l'option de demander dans un village si on pouvait dormir. Voilà, donc il y a eu une petite phase un peu de réflexion de part et d'autre, surtout de la part des villageois. Puis finalement, ils nous ont accueillis et on a très bien mangé. Et là, on va, je pense, bien dormir et pouvoir repartir tranquillement demain vers notre objectif, à savoir Mansoniane et surtout Tabatseka, où une superbe guest house nous attend. Et apparemment, on leur a demandé, c'est la première fois qu'ils reçoivent des gens dans leur village. Voilà. Donc, ils nous ont présenté le chef du village, le plus vieux, je pense, son épouse, je pense que la plus vieille, très gentille, leurs enfants, leurs petits-enfants, puis leurs nombreux tout-petits-enfants qu'on va essayer de prendre en photo demain parce qu'ils n'aiment pas trop les photos. Vous avez des choses à rajouter? On espère bien dormir. Et voilà. Non. Et toi? Bah, c'est une belle expérience, belle aventure qu'on ne peut pas vivre tous les jours. Qui était totalement inattendue. Qui était super inattendue et que... Je pense pas que c'est tous les jours que tu vis dans un village comme ça, avec pas un même rythme comme nous,
en ville et tout. Et, donc, et puis aussi, ok, peut-être c'est pas totalement tout propre et c'est spécial comparé à la ville et où on habite, mais c'est pas tous les jours soirs qu'on dort ici, donc on va essayer de profiter et de enjoy et voilà et de se souvenir de ce moment parce que c'est pas tous les jours je pense. Ça arrive qu'une fois même, aussi pour avoir des souvenirs. Ça arrive qu'une fois ou même pas dans la vie. Voilà. Ok, tu t'es servi de l'eau. Ouais. De l'eau boisée du Lesotho. Et j'ai que j'ai mise dans le mug. Ok, génial. Bon, et vous voyez quand même qu'ils ont des sacrés stocks de riz, donc peut-être qu'ils échangent un mouton contre un sac de riz. Donc ça nous vous a fait plaisir de voir ça parce qu'on se dit qu'ils ont quand même à manger. Monte la porte aussi. Ah oui, la porte, ils l'ont réparée pour nous. Parce qu'en fait, elle se fermait pas. Et ils l'ont réparée pour nous ce soir. Et ils nous ont apporté un banc. Il n'y avait pas. Et une chaise. Une chaise. Et un matelas. Un seau. Un matelas, ils l'ont rajouté, il n'y était pas. C'est gentil. Mmh. Ils sont adorables. Et ils ont beaucoup d'humour, hein. On a pas mal rigolé. Hein. Ouais. Allez, à demain, bonne nuit. Ciao, ciao. Plus vite que toi. Rattrape-le. Et toi, il est où ton vélo? Woohoo!
ciel, il tenait avec une ficelle. Je te promets, il y avait une corde qui tenait. D'accord. Mais attends, je filme un peu le monde. Tu sais, papa, moi, tu sais que je me sentais vraiment pas bien au tout début. Quand on voyait qu'on partait sur le côté, je me disais, je m'en fous. Mais on a tellement de kilomètres à faire, je m'en fous, je l'ai fait à vélo. J'avais trop peur. Tu sais, genre moi, avec maman, on était tout à gauche, donc on pouvait tout voir. Des fois, il y avait un trou, et ben je me dis, allez, il va aller à droite. Non, il continue à aller à gauche. Oui, et tu te demandes pourquoi la roue, elle tombe pas. Des fois, je serrais les fesses. Mais maman, tu sais quoi, j'étais comme ça tout le début, je me crispais. J'avais pitié quand j'étais à droite. On refait plus ça. On va se coucher. Rappelle-nous qu'elle l'attend. Il est 19h, 31 décembre. Nous sommes le 31 décembre. Il est 19h. Yes. Non, on a allumé une bougie en tout cas. Quoi ? Non, elle est là, c'est bon. Prends une saucisse. N'y passe. C'est très prudente. Ouais, je vais très doucement. En plein soleil. Et on tourne tout le temps les jambes en descente. Je vais tout le temps doucement. On se met pas en roue libre. Ok. Quelle belle vue. Bon, on se souhaite bonne chance pour la descente. À plus. Alors, moment interview. Léna, où on est? Je sais même pas, ça n'y passe. Ça n'y passe au peuple le plus haut d'Afrique. Afrique ? Oui. Putain, punaise. Alors dehors, il fait 7 degrés. Regarde, il écrit « I spell in Africa ». Et il écrit de les mettre là-bas. Ouais. Avec le Drakensberg enneigé. Voilà. Et il fait un temps pourri. Il faisait 7 degrés au compteur JB. On est congelé, on n'arrive même pas à enlever les casques. Non. D'accord. Et là, on va trouver un feu. Voilà, j'arrive pas à enlever mon casque non plus. Yeah, a bit cold. Léna, t'es contente d'être ici? C'est vrai que tu peux enlever ton casque. J'ai fait la force,